collège des prédicateurs, le peuple de Dieu de Bethesda, à ma voix, quand le dimanche, et les moniteurs vous saluent dans le nom de Jésus. Nous sommes là aujourd'hui pour la passation des enfants, 33 enfants de l'Écodune qui viennent à la jeunesse. Avant d'appeler ces enfants, je voudrais interpeller les parents qui continuent de garder leurs enfants avec eux dans le temple. Dieu vous a fait la grâce, vous avez un local qui abrite ses enfants depuis la garderie jusqu'au niveau 3. Et comme la garderie, les enfants doivent être à l'école le dimanche, de 0 ans à 15 ans pour passer à la jeunesse, nous voudrions vous dire que ceux qui ont 0 ans, nous n'avons pas de lait pour leur donner, les mamans peuvent les garder. Mais à partir de 3 ans, nous avons besoin de ces enfants à l'école le dimanche. Les places n'est pas dans le temple. Il ne doit pas occuper les bancs, manger, bavarder, faire ce qu'il doit faire. Et vous ne pouvez pas écouter la parole de Dieu. Parce que vous êtes obligé d'aller les suivre. Ils traînent tout autour du temple. Il y a assez de place. Je voudrais vous dire vraiment merci au très révérend Adobe et au bishop qui a réfléchi pour nous trouver des apparats dans lesquels nous sommes à l'aise. Et vous nous voyez, nous courons après, quand tu sors, tu veux venir vous retrouver ici. Donc, donnez-nous cet enfant-là pour que nous puissions leur donner l'enseignement qui concerne l'école de dimanche avec les carnavals nationaux. Je vous remercie pour cette information. Je voudrais maintenant appeler les 33 enfants.
15 ans. Merci de tout ce que l'école du dimanche a produit, apporté comme enseignement. Merci pour tout ce que vous avez fait. Nous voulons appeler aussi le président de la jeunesse. Le président de la jeunesse. Effectivement, ce que maman Pauline a dit est vrai. Quand les enfants s'en vont, viennent à la jeunesse, on ne les voit plus aux activités de la jeunesse. Ils sont dispersés et les parents que nous sommes, nous ne disons rien, les enfants dérapent. Alors nous voulons attirer l'attention des parents. Si vous ne voyez pas vos enfants au groupe de jeunes, il faut signaler pour que nous puissions vraiment les appeler et donner des conseils qu'il faut. Vraiment, merci, ma Pauline. Président, voici 33 enfants que le groupe de l'école du dimanche vient de vous donner. Chaque fois, vous dites qu'il y a manque d'enfants, manque de jeunesse. Hein? Aujourd'hui, il y a 33. Nous vous remontons ces 33 enfants. Prenez soin de ces enfants. Vous connaissez le nombre des enfants. Si un ne vient pas, approchez le conseil pour que nous puissions vraiment intégrer ces enfants, ces parents, pour leur donner des conseils qu'il faut pour que tous ces enfants grandissent spirituellement. Le pasteur a dit beaucoup de choses. Chacun de nous a entendu. Nous allons vraiment faire l'effort de mettre tous ces heures en pratique pour que nous ayons un jour des enfants de Bethesda qui sont des cadres de ce pays. Ils sont vraiment des mamans, des femmes au foyer qui apportent vraiment, qui font du bien au cœur des parents. Que nous ne voyons pas des enfants brouteurs, des enfants voleurs, des enfants menteurs, des enfants vraiment qui n'ont pas une bonne vie. Que Dieu vous aide, nous allons confier ces enfants au pasteur, pour que le pasteur puisse prier pour ses enfants et qu'ils soient intégrés au groupe de jeunes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, Seigneur, nous savons maintenant que l'Église, le devait, c'est les jeunes. Même l'Église d'aujourd'hui, mais c'est aussi le corps de l'Église. Alors que, Seigneur, tes enfants soient l'Église de l'Église, et œuvre, Seigneur, pour la gloire de Jésus-Christ déjà, aujourd'hui, ouvre l'occasion d'intégrer officiellement avec le grand frère, le grand sœur, et bien que ces enfants soient bien encadrés et qu'ils obéissent surtout à ta parole. Je prie pour ces enfants qu'ils soient condamnés à t'obéir. Je sème dans le cœur la crainte de l'Éternel, la joie de servir Jésus-Christ, l'amour de la parole de Dieu, l'amour de la prière, l'amour de la parole qui vient de toi. Aucun jour, tu puisses aussi me dire, oh, et tu es serviteur, entre dans la maison de ta mère. Seigneur, souviens-toi de bénir tout programme de l'ennemi contre la vie et sur tous les plans au nom de Jésus. Merci parce que tu les intègres toi-même et tu les acceptes et tu les bénis au nom de Jésus. Amen.